Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche et autres notifications. Allez dans les paramètres d'abonnement afin d'être au courant de toutes les dernières actualités de Jean-Claude Mouaka. Vidéo, spectacle, débriefing live, sinon tu vas louper. Ça. Bonjour, bonjour. Ça va? Ah, c'est pas mal ici, dis donc là. Bien? Ouais, ouais, je suis bien. Ouais. Mais vous êtes qui en fait? Oui, moi je travaille dans les services. Oui. Voilà, on s'en fout, on verra après. Il y a une piscine ou pas? Ouais, il y a une piscine. Ah, merci. Ouais, ouais, vous aimez bien la Martinique? Hein? Ah, moi j'aime bien la Martinique. Ouais. J'aime bien la Martinique. Hein? Vous êtes venu ici combien de fois déjà? 8 fois. Ouais, parce que je vous suis un peu sur les réseaux, du coup j'ai compté. On pourrait presque dire que vous êtes Martinique. Ah, mais je pense qu'on peut dire que je suis. Non! Parce que selon mes informations, vous êtes Congolais? Brazzaville? Ah non, moi c'est Kinshasa. Alors, pour votre information, au Royaume du Congo, avec un K, voilà, tout ce qui était Angola, Brazzaville, Kinshasa, c'est le même royaume. Vous saviez pas, avant la colonisation, non, c'était le même. D'accord, on va tout reprendre depuis le début. Vous êtes retourné combien de fois chez vous? Bah moi, j'habite Melun depuis 94, alors combien de fois je suis retourné chez moi? Ça fait beaucoup. Quand je vous dis chez vous, enfin, vous êtes français, j'entends bien, mais vous avez des origines congolaises. Oui. Vous n'êtes jamais retourné au Congo? Bah je suis jamais retourné au Congo. C'est bien ça, vous n'êtes jamais retourné au Congo? Jamais. D'accord, c'est grave. Et on peut savoir pourquoi? Bah, les médias, ils me donnaient une image du Congo, pas jolie jolie, la guerre, Mobutu... Et donc, plutôt que d'aller vérifier par soi-même, on regarde les médias et on se fait une idée. Bah ouais. Bah oui, voilà. Hein. Vous êtes d'où? Vous m'avez dit Kinshasa, mais vous êtes d'où? Ma mère, elle m'a dit hier par visio... Bandal. Bandal, c'est ça. Bandal, mais je connais très bien. Ah oui. Werrason, Kofi, JB, ils sont tous de Bandal. Ah ouais. Vous dansez un peu le dombolo. Ah bah oui. Ah, mais voilà. La rumba congolaise. Ah oui, la rumba. Fali. Ouais. Ferré. Ah ouais. Ah super, vous me rassurez. Vous lisez un peu, non? Ouais, non, j'ai posé la question, mais j'avais la réponse. Chez nous, on a Aimé Césaire. Aimé Césaire, ah, ok, d'accord. Il vient à Martinique, il connaît même pas Aimé. Aimé Césaire, c'est une figure de la négritude, ici. Vous avez Patrick Lumumba. Je vois un vide dans vos yeux, ça m'énerve. Patrick Lumumba. 30 juin 1960, discours devant les Belges. Indépendance du Congo, le tout premier ministre du Congo. Le 30 juin, c'est pas la fête de la musique? Le jour de l'été? Changement d'heure. Je sais même pas pourquoi je suis étonné. Non, non, pas du tout. Donc, vous ne connaissez absolument rien du Congo, c'est ça? Parler de Mbolo. Arrêtez. Votre ethnie? Vous la connaissez, votre ethnie, au moins? Mon ethnie... Attendez. Ça, c'est pas Congo, ça. Ça, c'est pas Congo. Le nez, c'est Muyumbe et il y a un petit peu de Manyanga. Et les femmes congolaises? Ah, j'ai connu une espérance. C'était le Manyanga. Ah, ça c'est autre chose. Et les pierres du Congo, on en parle? Les pierres. Les pierres. Bah, il y a des pierres partout. Moi, dans mon jardin, j'ai des pierres. Quand je vous dis Congo et pierres, ce que je veux entendre derrière, c'est diamant. Le Congo est l'un des premiers fournisseurs de diamants dans le monde. Mais ça, ça vous passe au... Vous ne vous intéressez vraiment pas au Congo, quoi. On va parler de la faune et de la flore. Le Congo, c'est le poumon de l'Afrique, avec l'une des forêts les plus importantes du monde, le bassin du Congo. Avec leurs réserves d'eau argentée, les bonobos, ça vous dit rien? Faut être situé des piles, monsieur. Je vois que vous avez un smartphone. Oui. Vous savez qu'il y a du cobalt dans le smartphone. Sans cobalt, il n'y a pas de smartphone. Ah ouais? Vous savez d'où vient le cobalt? Bah moi, j'ai un iPhone, c'est américain, donc Californie. Californie, c'est ça. Voilà. Cobalt en Californie. Ouais, voilà. Je vous arrête tout de suite, le cobalt vient du Congo. Aussi, ouais, ça peut paraître étonnant. Le Congo est le seul pays au monde où on trouve du cobalt. Sans Congo, il n'y a pas de smartphone. Ah ouais. J'aurais bien aimé vous voir là, au Monde Pito, à faire des géolocalisations sur votre smartphone. En fait, le cobalt, c'est comme le vibranium dans Black Panther. Ah, oui, expliquer aux enfants, c'est ça. C'est ça. Le Congo est le Wakanda de l'Afrique, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas Black Panther. Ah, on en est loin.
Après, c'est pas forcément exploité par des Congolais. Et c'est pour ça que les jeunes Congolais doivent entreprendre et reprendre les richesses de leur pays. Hein? Ouais, mais non, mais là, ça bronze, ça prend des cocktails. Huit fois en Martinique, c'est ça? Pas une fois au Congo, bravo. Bon, vous savez quoi? Il faut renouer avec les origines. Il faut aller entreprendre, il faut aller visiter. Hein? Ouais, mais oui, mais là, je pense que la Martinique, c'est bon là, ok? Ouais, il aime bien la Martinique, il fait comme chez lui, mais faut pas qu'il oublie qu'il est chez moi. Hein. Alors, la piscine.